Bonjour et bienvenue dans La Gueule du Loup. Dans La Gueule du Loup, c'est le nom du magazine que le Média m'a confié et que je prépare et j'anime avec plaisir et, je dois le dire, avec une certaine dose de fierté. Comme il s'agit d'une première, je voudrais, avant toute chose, vous donner quelques intentions générales que nous allons tenter de respecter. D'abord, les thèmes que nous traiterons dans ce magazine. Il s'agit de thèmes grand public, de thèmes que nous choisirons pour permettre de comprendre les grands phénomènes, les comprendre pour mieux agir. Le pluralisme, ensuite. Il ne sert à rien de se rencontrer souvent entre soi, entre personnes qui sont toujours d'accord les unes avec les autres et qui ne divergent, dans le meilleur des cas, qu'à la marge. Non, nous allons inviter des gens qui ont des points de vue radicalement différents. Nous saurons au moins pourquoi nous ne sommes pas d'accord si nous ne le sommes pas. Cela permettra de réfléchir, de nous, ça nous permettra de réfléchir, mais également eux. Et puis, nous verrons ensuite ce qu'il en sortira. Nous éviterons la langue de bois, si possible. Et puis, nous aurons une certaine exigence dans le débat, une exigence qui passera par le respect de la parole écoutée et de l'interlocuteur qui est en face de nous. Quand vous commencez à dire aux gens, nous allons évidemment baisser vos impôts, mais si on baisse vos impôts, on enlève des services, la première chose qu'ils vous disent, c'est qu'il n'est pas question d'enlever les services. Jean-Frédéric Poisson, je ne vous parle pas des gens. Je vous parle de la volonté générale. Je vous parle de la volonté politique. Vous parlez de la volonté générale. C'est la volonté générale, c'est le peuple. Je me suis très mal exprimé. On va dire de la volonté particulière qui est celle des politiques. Oui, je suis même pas sûr que cette volonté soit si présente que vous ça. Vous croyez au fond. Ouais, non. Bon, alors c'est peut-être par ignorance qu'il prône un certain nombre de positions qui aboutissent à ça. Non, je ne crois pas. Mais je connais très peu de mes collègues qui, comment dire, même les plus fous libéraux d'entre eux, il y en a quelques-uns. Prône pour un abaissement très très drastique de la... M. Fillon, que vous avez soutenu, c'était quand même 500 000 fonctionnaires en moins. Je vous ai dit que je n'étais pas d'accord avec ça. Non, mais ce n'est pas à vous dont je parle. Mais par ailleurs... Non, mais attendez, c'est pas... Par ailleurs, vous n'en trouverez pas beaucoup d'autres sur ce registre-là. Tout va bien. Surtout après l'épisode de l'année dernière. Alors, question suivante que j'aimerais aborder. Qu'est-ce qu'évoque chez vous l'évasion fiscale? Vous êtes en train de nous dire, c'est très bien, les savoirs, etc. Parfait. Qu'est-ce qui a raté depuis 30 ans? Qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui a détruit totalement le métier des professeurs? C'est justement ce discours sur les compétences. Alors avant, ça s'appelait les savoir-faire et les savoir-être qu'il fallait substituer au savoir. Avant ça, c'était apprendre à apprendre, parce que finalement, il valait mieux une tête bien faite qu'une tête bien pleine. On n'avait pas compris que Montaigne, quand il explique ça, il a quand même une tête assez pleine. Son père avait fait en sorte qu'il ait le latin comme langue maternelle, il biberonnait à Cicéron. Bon, il y avait deux, trois substrats, parce qu'en fait, apprendre à apprendre du vide, ça ne sert à rien. Donc tout ça a des conséquences. Aujourd'hui, nous avons une école monstrueusement inégalitaire, et toutes les réformes qui ont été prises par les partis politiques auxquels vous appartenez ont abouti à cela. Depuis 30 ans, les deux, c'est-à-dire que chacun faisait la même politique que les autres. La loi de 89 et la loi de 2005, c'est pareil. Comment ? Pardon, mais... Allez-y, je vous en prie, allez-y, parce que moi, après, je vais en remettre une couche, donc allez-y. On travaille effectivement au Parlement, nous, avec la loi de programmation militaire, parce qu'il y a besoin, justement, en attendant d'être rendu, comme vous dites, d'avoir un outil de militaire de défense et de projection. Mais ça, c'est une philosophie, vous ne partagez pas, c'est la mienne. Après, donc c'est pour ça que vous venez, après, sur la suite des opérations, je le redis, il n'y a pas eu, contrairement à ce que certains annonçaient, voire des mauvaises prophéties, il n'y a pas eu d'escalade sur le théâtre syrien, avec les Russes notamment, les Turcs et d'autres. Maintenant, il est important de marquer le coup par rapport à une session d'armes chimiques. Et donc maintenant, la question, c'est le passage à l'après et comment enfin il y a une conférence internationale. Et pas avec seulement une partie des acteurs, puisqu'il y a eu plusieurs chemins qui n'avaient pas tous les acteurs. Il faut les mettre tous autour de la même table. Alors, et avancer, sortir de cette guerre terrible pour les habitants. Nous allons faire un tour sur les perspectives que vous voyez, comment sortir politiquement de cette affaire. Juste avant, M. Temal, ce que je voudrais vous dire, c'est que vos arguments sont quand même... Faites attention, enfin, à mon avis, hein, parce qu'ils sont renversables. C'est-à-dire, mais c'est votre analyse. C'est de dire que si ce que vous dites, si vous y croyez, c'est-à-dire que peut-être vous dégagez une voie qui est généralisable et peut-être qu'il va falloir taper partout où ça mérite de l'être. C'est pas ce que je suis en train de dire. Les Français sont devenus intoxiqués par l'état d'urgence. On leur a fait croire que c'était un bouclier efficace contre la menace terroriste. On sait aujourd'hui que c'est archi-faux. François Hollande s'est précipité avec dans la foulée la détestable déchéance de nationalité au moment des attentats de novembre 2015, parce qu'à ce moment-là, il était faible politiquement à mi-mandature et qu'il était dans une crise de confiance avec son pays. Et le caractère caricatural de l'effet d'aubaine providentiel que représente parfois la question sécuritaire s'est exprimée là de façon particulièrement tragique. Alors nous, on a cessé de dire, mais il faut avoir l'honnêteté, je n'ose pas dire le courage, d'asséner le fait que dans ce pays,
aujourd'hui, ceux qui, avec moi, ont stigmatisé l'inefficacité de l'état d'urgence, ont souligné à quel point il était dangereux et néfaste que la France ouvre la première, le pays des Lumières, cette sinistre cérémonie, que d'intégrer dans le code pénal commun des dispositions caractéristiques de l'état d'urgence, nous sommes indicibles. Nous sommes peu lisibles. Parce que cette obsession sécuritaire qui fabrique une forme de déshumanisation rampante, qu'on voit également dans l'état des prisons, l'intoxication, l'addiction de l'opinion publique française à cette surenchère démagogique fait qu'aujourd'hui, prendre la parole dans une posture humaniste devient presque une posture de naïveté, une posture ridicule. C'est ça, aujourd'hui, le constat que l'on doit faire. Et la responsabilité, elle incombe très largement à tous les politiques. Je dis bien à tous les politiques, parce que cette contagion, malheureusement, elle infiltre comme une espèce de sinistre venin. Aujourd'hui, le discours, peu ou prou, parfois de façon plus ou moins brutale, violente, mais elle infiltre aujourd'hui le discours de tous les responsables publics de ce pays. Qu'est-ce que ça vous inspire lorsque vous entendez parler des charges sociales qui sont trop élevées ? Ce sont des cotisations sociales, M. Cotta, ce ne sont pas des charges. Ah, là, vous m'intéressez, oui. M. Poisson. Parce que je voulais vous coincer, c'est vous qui m'avez eu. Ah ben non. En effet, le mot de charge n'est pas acceptable. Ce sont des cotisations sociales, évidemment. Mais ouais. le mot charge est le plus souvent employé, vous avez... Par tout le monde. D'accord. C'est extraordinaire. Ouais. Alors qu'en réalité, les cotisations sociales, vous me dites si je me trompe, ne sont rien d'autre qu'un accord qui date du Conseil national de la Résistance et de ses conséquences. Il y en avait avant, mais formellement, oui, c'est ça. Formellement, c'est là que ça vient. Et en fait, c'est une part de notre salaire. C'est le salaire différé. Bien sûr. C'est ça. Donc quand on nous dit, on va prendre un peu dans les cotisations sociales qu'on va baisser pour augmenter je ne sais pas quoi, ça veut dire qu'on prend dans notre portefeuille. Ah bah de toute façon. C'est du vol. Ah bah, de toutes les manières. Enfin non, c'est pas du vol parce que ce serait du vol si c'était illégal ou anticonstitutionnel. Ça n'est pas le cas puisque tout ça est formalisé par la loi. C'est du vol légalisé. Non. même la notion, enfin l'ancien vice-président de la commission des lois que je suis peut pas accepter cette formulation. Mais disons que ça ressemble à une forme de confiscation. Je ne demande pas d'endosser la politique du Parti socialiste ou des Républicains, mais quand même il y a des questions qui sont incontournables. Lorsque vous entendez tout à l'heure mes citations de l'OCDE, lorsque vous voyez tout à l'heure les directives de l'Union européenne, lorsque vous voyez ce que ça détermine par rapport à nos enfants, à l'éducation et à l'éducation nationale. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-il possible que pas une voix se lève dans le monde politique officiel, traditionnel qui a été au pouvoir et que tout le monde accepte? Mais comment vous m'expliquez ça? Moi, je ne le dirais pas comme ça. Enfin, je ne pense pas qu'il n'y ait pas de voix qui se soit élevée, parce que quand on est dans un parti politique, on lit des textes, on va à des réunions. Mais les politiques de tous les ministères d'éducation nationale se sont alignés là-dessus, madame. Ils se sont alignés contre souvent. Ils se sont alignés souvent contre ce que la plupart de leurs militants pensaient et voulaient finalement. C'est intéressant ce que vous dites. Vous dites que d'un côté il y a des décisions qui ont été prises et d'autre côté il y avait une volonté majoritaire qui était peut-être. Oui, parce que moi quand je relis les textes des congrès ou les textes qui m'étaient proposés en tant que militante socialiste, les choses qui étaient dénoncées c'était exactement ce que vous disiez, que l'école devait être égalitaire, qu'elle devait être émancipatrice. Et, enfin tous ces discours-là on les a toujours eus. Donc pourquoi est-ce que ça dissonne? Là, par contre, malheureusement, vous allez être déçus, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Déception, abandon. Bon, on peut toujours dire qu'au prisme de la réalité, il y a certaines choses qui s'émoussent un peu, mais ce n'est pas suffisant comme réponse. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Donc, pourquoi est-ce qu'à un moment, la politique n'arrive pas à prendre en charge correctement les problématiques? Moi, c'est une question que je me pose tous les jours, vous voyez. Monsieur Temal, je vais me permettre également de rebondir sur ce que vous dites, sur deux, trois questions. Vous dites qu'il était important de marquer le coup et de montrer que ce n'était pas possible. D'accord. Bon. Alors, je vais prendre des parallèles, comme ça. La Palestine, des dizaines et des dizaines de résolutions non appliquées qui sont pourtant des résolutions de l'ONU. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va bombarder Israël? On va marquer le coup? Attendez, mais laissez-moi finir, M. Temal. Laissez-moi finir. On va bombarder Israël, on va marquer le coup. Des dictateurs sur la planète, ça va de l'Arabie Saoudite au Qatar jusqu'à un certain nombre d'autres pays qui ne sont pas vraiment démocratiques non plus. Qu'est-ce qu'on fait pour faire respecter la démocratie? On y va à coups de bombardier, on balance des missiles. Vous voyez bien que cette histoire, on n'a pas fait la guerre, on a juste marqué le coup pour dire que c'est bancal comme histoire, à mon avis. Mais comme votre comparaison? Non. Parce que, excusez-moi, non, vous êtes d'accord avec lui. Moi, je peux aussi être en désaccord avec l'un et l'autre. Mais non, parce que là, vous êtes en train de dire, parce qu'on ne fait pas ailleurs, il ne faut jamais agir. Non, mais si on a agi là, si c'était utile, agissons ailleurs. Alors dites-moi ça. Ce serait cohérent. Mais on sait bien que là. Il y a beaucoup de pays où il y a 500 000 morts civils. Parce que là, on parle bien. Attendez, je suis désolé. Ce que j'allais dire. Il y a 500 000 morts. Et là, on parle bien d'armes chimiques. C'est-à-dire qu'il y a quand même, à un moment donné, cette capacité à envoyer sur son propre peuple. Des armes chimiques. Monsieur, si demain on découvre, comme c'était hier en Irak, que des armes chimiques n'ont pas été utilisées par les Syriens, quelle tête on va faire?
Je vous pose la question. Ils ont été utilisés par qui ? Par les rebelles, par exemple, par des mouvements islamistes qui sont présents sur place et qui ont des stocks. Et donc je n'en sais rien. Bachar el-Assad a produit des armes chimiques, bien sûr. Bachar el-Assad qui a produit, qui a accepté de les démanteler, tout ça n'existe pas non plus. Si, ça existe. D'accord. Sur l'affaire de l'utilisation des armes chimiques, les derniers, la dernière faction islamiste qui restait, c'est Jaïch al-Islam, qui d'ailleurs, après cette attaque aux armes chimiques, a négocié son départ. Je ne vois pas très bien, alors que ce sont des enfants du pays, à Douma, qu'ils soient eux-mêmes en train de se gazer. Ça pose un vrai problème. Et il y a des vrais doutes qui d'ailleurs sont relevés. Donc, c'est possible ce que vous dites, mais je n'en ai pas la preuve. C'est possible. Mais c'est comme un certain nombre d'informations, qui pas que factuelles dans ce qui a été dit. Ce que j'aimerais, c'est qu'on aille plus loin sur le retour en arrière, si vous voulez. Sur votre ministère, le ministère de M. Perben, vous avez été en responsabilité. Il me semble que vous n'avez pas été l'un et l'autre. Ce n'est pas vous hein, que je mets en cause, si vous voulez, c'est le caractère politique général que vous soulignez. Et c'est ça qui me semble intéressant. Vous n'avez été en rupture avec la logique que dénonce justement Mme Guigou, ni l'un ni l'autre. Comment vous l'expliquez, ça ? Je peux revenir sur ce que j'ai fait. Moi, j'ai lancé la construction de 12 000 places qui ont été réalisées en une dizaine d'années. Pourquoi je l'ai fait ? Pas pour augmenter la population carcérale. Pendant que j'étais ministre, la population carcérale a diminué. Et en particulier celle des jeunes. Pourquoi ? Parce que s'agissant des jeunes, j'ai, malgré ce qui s'est dit à l'époque, créé les CEF pour éviter d'emprisonner les gamins. Et d'autre part, j'ai fait en sorte que les mineurs soient totalement et définitivement séparés des adultes. Voilà le bilan. Pour aller au-delà de ça, aujourd'hui, en tant que professionnel, il m'est arrivé d'aller dans des prisons, par exemple en Allemagne ou en Hollande. Les conditions matérielles sont tellement meilleures qu'ici, qu'il y a un travail qui peut se faire à l'intérieur de la prison, qui est impossible à faire ici, aujourd'hui. Donc ne mélangeons pas le quantitatif et le qualitatif. Je pense qu'il faut les deux. Bien sûr, il ne faut pas se lancer dans des constructions complètement dingues de dizaines de milliers de places indéfiniment, mais il faut surtout se donner les moyens quantitatif de pouvoir faire un travail à l'intérieur de la prison, y compris éducatif. Et puis il faut surtout se donner les moyens de faire un travail après la prison, ou dans ce moment où on quitte complètement ou pas complètement la prison, avec des formules qu'il faudrait pouvoir développer effectivement. Des choses ont été dites tout à l'heure. Il faudrait une mission. Pourquoi ça n'est pas fait tout ça ? Essentiellement pour des raisons de moyens. Essentiellement pour des raisons de moyens. Il faut se poser la question de savoir pourquoi ce pays, depuis 50 ans, 100 ans, ne donne pas à sa justice les moyens de fonctionner dans de meilleures conditions. Pourquoi est-ce qu'il y a un tiers de procureurs de la République de moins ici qu'en Allemagne, par exemple ? Bon, alors je vous pose la question, parce qu'on n'a pas, pendant de nombreuses périodes, créer les postes qu'il fallait. Aujourd'hui, il y a un projet très important de création d'emplois, et c'est très bien. – Monsieur Perben, c'est intéressant, parce que ce que vous dites là sur la justice, que j'entends, que je comprends, il y aurait un enseignant, il vous dirait sur l'école, il y aurait un hospitalier, il vous dirait sur l'infirmière et sur l'hôpital, il y aurait n'importe quel membre des services publics, il vous le dirait. – Mélangeons pas tout.